وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد، أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لا لن نحيد. أبدا الله Et pourquoi Yusuf alayhissalam n'a pas montré son identité immédiatement à son frère, à ses frères dès qu'ils étaient venus? Alors la réponse des ulama, c'est que si Yusuf alayhissalam n'a pas montré son identité, c'est que Allah lui a dit de faire comme ça. Effectivement, ça vient d'Allah. Comme on voit, quand Yusuf alayhissalam a mis la coupe du roi dans le sac de son frère, et puis ils sont partis, et puis les employés sont venus dire « Eh, vous, la caravane, venez, vous avez volé. » Ils sont venus, ils ont dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Ils ont dit « La coupe du roi a disparu. Celui qui a la prise, il va payer une amende d'un chargement de bêtes. » Ils ont commencé à dire « Comment vous pouvez nous accuser? Nous sommes des gens de bonne famille, jamais on fait ça. Hein? » Ils ont dit « Ben, et si c'est chez vous, on fait quoi ?» Et ils disent « Chez nous, celui qui vole, il est pris comme esclave. Nous, hein, on ne va pas se contenter d'une amende et puis après il va recommencer et recommencer. Non. Donc si vous voyez que nous, on est des hommes libres, ça veut dire que jamais de notre vie on a volé. Voilà, fierté. Donc Yusuf al-Salam a cherché dans les sacs jusqu'à la sortie du sac de son frère. Et Allah dit « Kadalika kidna li Yusuf ». Ainsi nous avons comploté, manigancé pour Yusuf a.s. Ainsi Allah a fait « Ma kana li akhudha akhahu fi din al-malik ». Il n'était pas possible qu'il prenne son frère dans la religion du roi. Dans la loi d'Égypte,
Il n'y avait aucune disposition qui permette de prendre quelqu'un comme esclave. Ça n'existe même pas. Donc il n'y avait aucun moyen. Il fallait que eux ils parlent de leur fierté et qu'eux ils parlent de leur loi de chez eux et que ça s'applique comme ça. Hein? Et donc c'est Allah qui a fait, parce que Yusuf al-Salam n'aurait pas pu penser que voilà, on va les provoquer un peu, ça va les faire parler, puis finalement on va prendre leur loi. C'est Allah qui a fait. Donc effectivement c'est Allah qui a fait que ça se passe comme ça. Mais la question reste la même. Pourquoi est-ce qu'Allah a fait ça comme ça, hein? Pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas dit à Yusuf al-Salam de se montrer directement à ses frères? Alors, et tout ça c'était une éducation pour ses frères. Alors, l'explication, quand on fait un péché, soit Allah nous veut du bien, soit Allah nous veut du mal. Si Allah veut du bien à la personne, Allah va faire en sorte de lui enlever le péché avant sa mort. Et si Allah veut du mal à la personne, Allah va le laisser avec son péché jusqu'à ce qu'il meure et qu'il le paye le jour dernier. Maintenant, pour enlever le péché dans le dunya, il y a deux possibilités. Soit la personne se repent, le péché est effacé, ou sinon, il va être puni. Il va souffrir jusqu'à enlever le péché. Hein? Maintenant, la souffrance du péché, ça vient de même nature que le péché. Donc, si c'est de l'argent que tu as volé, ou que tu as eu avec riba, c'est ton argent qui va se détruire jusqu'à ce que tu comprennes ton erreur. Alors, si c'est de l'injustice que tu as fait aux gens, les gens aussi vont t'opprimer jusqu'à ce que tu vois le mal que toi-même tu as fait aux autres, etc. Voilà. Donc, c'est le cas de beaucoup de gens. Regardez par exemple les frères de Yusuf alayhi salam. Donc, ils ont jeté Yusuf dans le puits. Est-ce qu'ils se sont repentis? Ils ne se sont pas repentis. Pourquoi? Ils sont repentis vers la fin. C'est la vérité, ça. Voilà. À ce moment-là, quand ils sont venus chez Yusuf demander la nourriture, est-ce qu'ils se sont repentis? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils sont repentis. Non, mais est-ce qu'ils se sont repentis de l'avoir jeté dans le puits? Non. Il y en a qui montrent qu'ils se sont repentis. Moi, j'ai le souvenir, c'était à la fin qu'ils s'est... Quand ils l'ont vu, après, ils ont demandé pardon. Ils n'étaient pas repentis. Pourquoi? Il y avait toujours le côté qu'ils ne s'attendaient pas que ce soit Yusuf qui soit la tête de tout le monde aussi. Oui, bon, ça, ils ne savaient pas du tout qu'est-ce que ça fait devenu. Mais pourquoi ils ne sont pas repentis? Qu'est-ce qui montre qu'ils ne sont pas repentis? Peut-être qu'ils ont menti à leur père. Ils ont menti, et ils continuent de mentir à leur père. Est-ce qu'ils ont été prouvés? Ils continuent de dire à leur père que Yusuf, le loup l'a mangé, et arrête de nous parler de Yusuf. Alors, les conditions du repentir, c'est 3 ou 4. D'abord, arrêter. Est-ce qu'ils ont arrêté? Non. Comment non? Ils ont arrêté. Ils ne continuent pas à jeter les enfants dans le puits quand même. Hein? Ils ont continué à mentir. Même quand ils ont programmé de jeter Yusuf dans le puits, ils ont dit « Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin ». Comme ça, votre père va se libérer pour vous et après vous serez pieux. Après vous serez pieux. Vous allez faire de bonnes actions, de hajj, des istighfar, hajj, j'en sais rien. Mais en tout cas, des jeunes, tout ça, voilà. C'est pas vous allez être des bandits professionnels. Vous allez être pieux. Ils ont programmé leur repentir. Comme ils ont programmé leur repentir et leur piété. Comme beaucoup de gens disent, moi je suis jeune, je m'amuse, je me marie, je me case, je deviens correct et puis je vais mettre après aussi. Tiens, mais tant que je suis jeune, c'est pas possible. Donc, repentir programmé. Hein? Donc, arrêter, ils ont arrêté. Parce que s'ils n'arrêtent pas, il n'y a pas de repentir. Je ne peux pas continuer et puis parler de repentir. Déjà, il faut arrêter. Cher, j'avais une question en fait. Oui. Par rapport aux frères de Yusuf quand ils sont devenus prophètes après. Ouais. Et moi, je me demande, mais dans ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que les prophètes, ils ont toujours été préservés des péchés. Mais non, il y a différents degrés de prophètes. Chez les fils d'Israël, il y avait plein de prophètes à l'appel. D'accord.
Et ce n'étaient pas des prophètes messagers, ils n'avaient pas de message à les donner aux gens. C'est des prophètes individuels. La vie. Ouais. Un peuple. Ils ont demandé un bien. Je sais, malgré ce qu'ils ont fait avec eux sur tout ça, ouais, ils étaient quand même dans la religion. Donc, arrivant en Égypte, ils pouvaient enseigner l'islam aux gens. Hein. Et puis, finalement, avec Yusuf al-Islam, il y a eu quand même le repentir. Et... Ouais. Donc, je disais quoi? Arrêter, ils ont arrêté. Regretter, ils n'ont pas regretté. Ils n'ont pas regretté. Hein? Mais dans l'histoire où justement Benjamin a été pris, quand Benjamin, le frère, Yusuf l'a pris, et là ils sont partis, hein, قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. Mais est-ce que vous ne savez pas que votre père, il a pris votre engagement de le ramener coûte que coûte, et en plus ce que vous avez fait à Yusuf. Donc, il y a un début de regret. Commence à sentir que vraiment cette bêtise-là, ça nous suit, on n'est pas sorti. Donc il y a des mauvaises conséquences. Il y a un début de regret, on n'y est pas encore. Donc, le regret. Troisièmement, décider de ne pas recommencer. Ben, effectivement, ils ont décidé de ne pas recommencer, il n'y a pas de problème. Hein? Et, mais la quatrième condition du repentir, réparer le mal. Réparer le mal qu'on a fait, si c'est un mal qu'on a fait aux gens. Donc le mal pour Yusuf, là, c'est impossible parce qu'ils n'ont aucune idée où est-ce qu'il peut être. Donc d'aller le trouver comme esclave et de le racheter pour le libérer, c'était pas possible. Mais au moins, ils pouvaient demander pardon à leur père, puisque lui aussi, il est victime dans l'histoire. Mais non, ils n'ont pas demandé victime, ils ont continué à cacher. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas repentis, mais traduis-lui quand même. Donc ils ne sont pas repentis. Vous voyez ? Comme je vous dis, comme par exemple beaucoup de gens qui disent je suis jeune, je m'amuse, quand je me marie, je vais me caser, ou bien quelqu'un par exemple qui a vendu la drogue, et puis il a pris de l'argent pour faire un restaurant, et puis voilà, c'est fini, maintenant il fait restaurant. Ah, mais c'est quand même l'argent de la drogue qui lui a permis d'ouvrir son restaurant. Comment il va se repentir? Voilà, c'est pas pareil, hein, parce que quand on a pris de l'argent haram, si c'est de l'argent qu'on a pris à quelqu'un, il faut lui rendre. Mais si c'est de l'argent qu'on a eu en vendant l'alcool ou en vendant la drogue, donc ça appartient à personne, on n'a pas pris ça à personne, on se repent, c'est tout. Mais on garde l'argent, on n'est pas obligé de se débarrasser de l'argent, mais il faut juste se repentir. Mais là, comme ça a été programmé, je prends l'argent, puis je l'avale, hein? D'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer? Prenons, parce que quand on fait da'wah aux jeunes, c'est que c'est un cas qu'on rencontre beaucoup. Il dit je suis jeune, je m'amuse, après je vais me marier, je vais me caser, et puis voilà. Hein? Donc, il ne va jamais se repentir, puisque il va penser que c'était lui le top. J'étais jeune, je me suis amusé avec autant de filles que je pouvais, et maintenant je suis marié, et khlas, je suis avec ma femme, mes enfants, ma famille propre, monsieur respectable. Et puis on va faire le hajj, et puis il peut devenir un des responsables de la mosquée, un des gens qui sont toujours sobres, il est toujours là. Mais le péché est toujours là. Hein? Et donc Allah Ta'ala, par sa miséricorde, parce que je vous ai dit, il y a deux cas. Soit Allah lui veut du mal, soit Allah lui veut du bien. Mais comme c'est quelqu'un, maintenant qui fait sadaqa, qui vient prier, qui essaie d'enseigner l'islam à ses enfants, donc il fait du bien. Hein? Donc Allah est miséricordieux. Donc il lui reste ce péché à enlever. Donc maintenant Allah va l'aider pour enlever son péché avant de mourir, en lui faisant quoi? Souffrir de la même chose qu'il a fait. Hein? Donc il va voir la débauche chez ses enfants, chez sa femme, chez ses proches, jusqu'à ce que vraiment, ça va lui faire blanchir les cheveux. Hein? Ça va lui faire blanchir les cheveux. Subhanallah, sa fille a fait un tel scandale qu'il a honte de venir prier à la mosquée. Hein? Tu vois, et s'il attrape le garçon, il dit, mais comment tu fais ça? Je dis, mais on est jeune, on s'amuse. Ah, exactement les mots que lui, il disait quand il était jeune. Hein? Là, il s'aperçoit que le gars, c'est lui-même en plus jeune qu'il est en train de faire avec ses filles. Et que lui, quand il faisait ça avec les filles des gens, c'était trop top. Hein? Mais quand les gens font ça avec ses filles, c'est la mort. C'est maintenant qu'il va sentir le mal qu'il a fait. Et qu'il va regretter.
Hein? Vous voyez? Finalement, la souffrance qu'Allah fait, c'est pour amener la personne à se repentir. Parce que qu'est-ce qui fait que Allah va lui pardonner? Il faut qu'il le regrette. Hein? Et des quatre conditions du repentir, c'est la plus importante. Regretter, ça veut dire que toi, tu vas changer. Que si on te remet dans la même situation, tu ne vas plus le faire. Voilà, c'est ça qu'Allah veut. Que toi, tu changes. Hein? Que toi, tu changes. Que si c'était à refaire, tu ne vas plus le faire. Parce que tu as compris que c'est mal. C'est ça. Donc, si tu n'as pas compris tout seul, si tu ne t'es pas repenti tout seul, mais Allah va te faire goûter les conséquences de tes actes. Jusqu'à ce que tu comprennes combien c'est mauvais et que tu regrettes. Donc, c'est ce qu'Allah fait à Yusuf alayhi salam, aux frères de Yusuf, pardon, à leurs frères. Hein? C'est si, en venant chez Yusuf, il leur dit, ouais, voilà, je suis votre frère, c'est fini. Donc, le mal qu'ils ont fait en le mettant dans le puits, ils n'ont rien payé. Et tout se termine bien, comme ça, c'est trop facile. Il faut qu'ils sentent le mal. Et l'injustice, Allah Ta'ala va leur rendre l'injustice qu'ils ont faite. التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله Quand ils sont revenus la deuxième fois et que Yusuf alayhi a pris Benyamin, ils retournent chez leur père. Ils disent, papa, voilà, Benyamin a volé, il a été pris comme esclave. Tu peux demander à la caravane qui est venue avec nous, ou la ville où on était, tout le monde est au courant de l'affaire. Hein? Et leur père dit, oh, mon fils volé, jamais. Même si tout le monde vient me le dire, je n'y crois pas, c'est faux. Puis leur dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous dites que Benyamin a volé en Égypte et qu'on l'a pris comme esclave? Mais ça, c'est la loi de Palestine. Comment c'est possible qu'il vole en Égypte et qu'on lui applique notre loi à nous? Ben ils disent, mais voilà, en fait, comment ça s'est passé? C'est qu'ils ont dit qu'on a volé. Et nous, on a dit que nous, on n'a pas volé. Bon, ils ont dit, mais si vous avez volé, on fait quoi? Et nous, on a dit que chez nous, celui qui vole, il est pris comme esclave. Il dit, mais voilà, vous avez mis ça dans le sac de votre frère et vous êtes allé crier que celui qui a volé, vous le prendre comme esclave. C'est vous qui avez tout manigancé. Hein? Et maintenant, il s'aperçoit qu'ils avaient tout programmé depuis le début. Et qu'ils ont fait toute cette histoire et juré, on va s'en occuper, on va le ramener, alors que leur plan, il a déjà cogité dans leur tête. Mettre la coupe dans son sac, et puis crier à tout prix que non, nous en Palestine, celui qui fait ça, on le prend comme esclave, pour forcer que c'est leur loi qui soit appliquée, qui soit prise comme esclave. Et subhanallah, la déception. Ces enfants que j'ai élevés toute ma vie, qui prient, qui font le din, c'est que des hypocrites. Hein? Tout ce que je leur ai appris, ça vaut zéro. Hein? Ils sont en train de prier, de faire, et puis c'est les mêmes, la même pourriture. Mes propres enfants. Hein?
Et ils vont dire, mais non, on n'a pas dit exprès, c'est venu comme ça. Oh, quand même, prenez-moi pour un imbécile en plus. En plus, vous me prenez pour un imbécile. Hein, comme la fois avec Yusuf, vous avez ramené leur camis qui n'est même pas déchiré, et vous me dites que le loup l'a mangé. Mais vous me prenez pour un taré. Quand même, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est bête à ce point-là. Comme ça, par hasard, vous avez dit celui qui a fait et c'est tombé sur Benjamin. Impossible, comment Benjamin va voler? C'est vous qui avez tout fait. Hein? Et vous voyez, une des punitions des péchés, c'est qu'on va t'accuser d'autres péchés. Si tu as menti une fois, prochaine fois tu veux je dis oh, c'est ça, tu connais. Encore, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu vois? Ou bien tu as volé une fois, dès qu'un truc lui manque, on dit allez, c'est bon, sors-le, c'est bon, tu veux qu'on vide ton sac encore? Allez, on te connaît. Voilà, c'est ça. Parce que tu as fait une bêtise, mais on va t'accuser. Et on ne peut pas faire des reproches à ceux qui t'accusent. Parce que tu l'as fait déjà. Donc, voilà. Tellement leur père, Yannim, il ne veut plus les voir. Il y a peur. Jusqu'à ce qu'il est devenu aveugle. Et un an encore passe. Et l'année passe. Et les provisions sont finies. Et c'est toujours la sécheresse. Et il n'y a rien à manger. On va mourir. Donc, la seule solution, c'est de retourner chez Youssef alayhi salam. Et là, leur père leur dit, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Mes fils, allez, cherchez Youssef et son frère. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Et là, ils sont tellement abattus, ils sont tellement, qu'ils n'ont même pas la force de dire, mais papa, on t'a dit que Youssef le loup l'a mangé. Arrête de parler de Youssef. Ils n'ont même plus le courage. Dis oui, on y va. Et c'est maintenant qu'ils arrivent chez Youssef alayhi salam. Qu'ils arrivent. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuha al-aziz massana wa ahlana ad-dur. On est dans la misère avec nos familles. On a maigri. On est fatigué. On n'a plus rien à manger. Si tu fais 3 années sans gagner 1 euro, première année, tu vas manger tes économies. Deuxième année, tu vas vendre tout ce qu'il y a à la maison. Troisième année, tu vas mendier. Mendier. Alors, donc, ils arrivent. On a ramené une marchandise qui ne vaut rien. Donne-nous à manger. Fais-nous cadeau de notre frère. Cadeau de votre frère. Tachmouche. Tu n'as pas honte. Parce que, regardez la situation. En Égypte, tout le monde a cotisé. Tout le pays a travaillé. On a mis de côté. Arrivé la sécheresse, on a donné à tout le monde. Mais les Palestiniens, ils n'ont pas cotisé. Ils ne sont pas dedans. N'est-ce pas? Ils n'ont rien à voir avec cet argent-là, ce bien-là. Mais quand même, parce qu'ils n'ont pas de solution, et parce qu'eux aussi vont mourir, que Youssef leur donne. Et puis il leur donne gratuitement aussi. Il ne leur fait pas payer. Mais parce qu'ils ne peuvent pas payer. Qui peut payer? Tu gagnes rien et tu vas payer à manger pendant 7 années? C'est pas possible. De toute façon, c'est pas possible. Et puis, il n'a pas besoin de l'argent. Hein? Donc, il leur donne, même eux, ils leur donnent gratuitement. Donc, ils ont pris le manger gratuitement. Et puis, ils reviennent l'année suivante. Ils prennent le manger gratuitement et ils volent. Hey, ces gens-là, ils sont pas honte. Voilà, on leur donne à manger pour qu'ils ne meurent pas de faim. Pour qu'ils ne meurent pas de faim, pour les sauver. Comme ça, par humanisme, pour ne pas les laisser crever. Et puis ils volent. Et donc maintenant, ils reviennent la 3e année, et ils veulent manger, et puis ils veulent qu'on leur rende leur frère, qui a été pris parce qu'il est un voleur. Ah, du culot quand même. Manette, t'as pas honte. Déjà, tu viens comme un mendiant. Donc, t'as intérêt à te faire petit. Hein? Mais en plus, t'as volé. Et maintenant, tu veux qu'on enlève cette punition du vol et qu'on te redonne comme si c'est rien passé. Hein? C'est comme ça. Hein? Mais en même temps, quoi? En même temps, ils supplient. Et puis, si on ne leur donne pas, ils vont mourir de faim.
Donc ils sont en train de pleurer devant Youssouf alayhi salam. Hein? Yani, imagine-toi, quelqu'un comme ça, qui a été méchant avec toi, mais il vient te supplier parce qu'il n'a aucune, il a aucune solution. Et il te revient chez toi, sachant qu'il a fait des bêtises, et puis il te supplie. Et toi, tu le regardes, mais t'achèmes, t'as pas honte. Tu viens encore me demander. Hein? Et lui, mais il est coincé, mais il pleure, il attend que tu aies pitié de lui. Et plus toi, tu prends ton temps de regarder, il fait que pleurer. C'est comme ça, Youssouf les regarde. Et puis il leur dit, Hal alimtum ma fa'altum bi Youssouf. Vous voyez ce que vous avez fait à Youssouf et son frère en étant ignorant. Ça veut dire que là où vous êtes arrivé, votre état dans lequel vous êtes, c'est le résultat de vos actions. Voilà où vos actions vous ont mené. Toute votre méchanceté, votre jalousie, votre, comment dire, votre égoïsme, hein, voilà où ça vous a mené. Voilà votre méchanceté, toutes vos mauvaises actions, voilà où ça vous a mené. Hein, regarde, voilà, comme vous êtes maintenant. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il parle? Et regarde, hein, c'est toi Youssouf? Il dit oui, c'est moi Youssouf. Et voilà mon frère, il n'est pas esclave. Et c'est là. Allah, il a qad atharak Allah alayya. Ou in kunna la khatim. Ils disent vraiment, Allah t'a préféré. Et nous étions dans le tort. Voilà. Ça, c'est vos actions où ça vous a mené. Et moi, c'est mes actions où ça m'a mené. Et Youssouf leur dit, qala. An Youssouf had akhi. Innahu man yattaqi wa yasbir. Fidna Allah la yudhi'u ajr al-muhsin. Celui qui est pieux et qui patiente, Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Voici la voie de la réussite, c'est la piété. Et dans la piété, tu as des épreuves. Dans les épreuves, il faut être patient. Il faut rester dans la piété. Et Allah Ta'ala, il ne va pas perdre. Allah voit toutes tes souffrances, toute ta piété, toute ton abstinence des péchés, hein, toute ta rectitude. Tout ça, Allah Ta'ala, tu le comptes et te récompensera. Donc, le premier point dans les efforts de Youssouf alayhi salam. Donc les efforts et les qualités de Youssouf alayhi salam, en fait, elles sont toutes pour la da'wa. Bon, nous, quand on comprend, on sait qu'un musulman, un croyant, doit être un da'i. C'est pas dissociable. C'est pas dissociable. Ça veut dire qu'un musulman doit être comme ça, mais s'il est da'i, en plus il faut que ce soit comme ça. C'est pas comme ça. Tout musulman doit être da'i. Hein? Donc c'est les mêmes qualités. Mais toutes les qualités de Youssouf alayhi salam qu'on peut voir dans cette sourate, ils sont importants pour la da'wa. Elles sont importantes pour la da'wa. Hein? Et cette première qualité, c'est cette certitude que la réussite est dans la religion. Hein? Que la réussite est dans la religion. Ça veut dire quoi? Beaucoup de musulmans pensent que la religion, c'est pour gagner le paradis. Mais pour s'en sortir dans cette vie, il faut se débrouiller. Et que si on fait la religion vraiment à 100%, on ne peut pas s'en sortir dans cette vie. Donc il faut qu'on fasse quand même un peu la religion pour gagner le paradis, mais aussi il faut qu'on se débrouille à notre manière. Même s'il faut faire du riba, même s'il faut mentir, même s'il faut se débrouiller. Même s'il faut se débrouiller, il faut qu'on se débrouille. Parce que si on va rester vraiment que strict dans la religion, mais on va être foutu, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire nos affaires, on ne peut pas, etc. On ne peut pas avoir de bonnes relations avec les gens, etc. C'est ce que beaucoup de musulmans pensent. Que le din, c'est pour gagner le paradis. Mais dans le dunya, il faut qu'on se débrouille. Hein? Et donc, on ne peut pas faire le din complètement. Il faut faire aussi des péchés. Des trucs haram, ben oui, c'est obligé pour pouvoir s'en sortir. Wallah, combien de gens disent ça? Hein, j'aurais voulu prier à l'heure, mais je ne peux pas à cause du boulot. Hein, j'aurais voulu faire ça, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je vais faire le din complètement, mais mon boulot va être foutu. Je ne peux plus payer mon loyer. Comment je vais le mettre en place? Mais je vais être foutu. Voilà. Si j'obéis à Allah vraiment strictement, mais il sera foutu. Donc il faut quand même, faut pas exagérer. Un chouïa pour Allah et puis un chouïa pour moi. Hein?
Donc je disais quoi? La première certitude que le da'i doit avoir, c'est que le succès est dans la religion. Parce que si lui-même il est comme les autres, je fais la religion, mais quand ça ne m'arrange pas, clac, je laisse un peu la religion, puis je me débrouille. Mais tu vas faire da'wa comment? Mais toi-même tu n'y crois pas. Hein? Toi-même tu n'y crois pas que en faisant la prière à l'heure, ça va résoudre ses problèmes ou ça va lui faire quelque chose. Toi-même tu n'y crois pas. Donc tu vas leur faire da'wa comme toi. De un peu pour Dine, un peu pour Dunia. Voilà. Hein? Toi-même, la façon que tu as compris, c'est ça que tu vas transmettre. Donc ça c'est le premier point. Que non, jamais le péché, c'est ça qui détruit ta vie. Dans ce monde et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est évident. Mais dans ce monde aussi. Hein? Comme Yusuf al-Essem disait à la femme du ministre, quand elle l'a dragué, qu'est-ce qu'il dit? Qala ma'adallah, qu'Allah me préserve. Innahu rabbi ahsana mathwaya, c'est mon maître qui m'a bien reçu. Hein? Et comment je vais le trahir comme ça? Qui m'a bien, c'est bien occupé de moi. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, les injustes ne gagnent pas. Il sait qu'on ne gagne pas. Les injustes ne gagnent pas. Par exemple, tu vois de l'argent, tu sais que ce n'est pas à toi. Mais si tu prends l'argent, mais personne ne va te voir, et puis tu pourras faire plein de trucs. Mais si tu as la conviction que l'injustice, tu ne vas jamais gagner, ça veut dire qu'il va t'arriver des problèmes. Hein, tu peux prendre l'argent, et puis après tu as un accident, ou tu tombes malade, ou on te vole, et tu vas perdre plus. C'est comme ça. Donc ça ne sert à rien. Avoir cette conviction que l'injustice, le mal, le péché, ça ne te fait jamais gagner. Jamais tu vas gagner avec. D'accord? Donc, ça c'est un premier point du dernier, première qualité du dernier, de Yusuf alayhi salam. Cette certitude que la réussite est hein, dans la foi. Innahu, regardez comme il dit, man yattaqi wa yasbir. Celui qui est pieux et qui patiente. Parce que la piété, ça ne te donne pas tout de suite. Hein, ça ne te donne pas comme ça tout de suite la réussite, le bonheur, le travail, la femme, nanani, nanana. Non, ça va te donner des épreuves en fait. Mais dans les épreuves, il faut être patient et puis persévérer dans la piété. Là, tout ce que tu es là, tu souffres, tu es célibataire, tu ne fais pas les péchés, ou bien tu es marié, mais ta femme te casse les pieds. Comment tu ne suis pas là? Success. Kamiabi. Donc, qu'est-ce que je disais? Tout ce que tu souffres. Hein, tu as envie de voler, de prendre l'argent facile, mais tu ne prends pas. Allah voit toute cette souffrance, et que tu patientes, et tu pries, et tu es tenté, et tu résistes. Mais Allah voit, mais tout ça c'est comptabilisé. Mais toi tu ne vois pas combien ça fait de hasanat. Ça fait des hasanat, mais ça fait des bonus chez Allah pour accepter tes doigts, pour te... Eh oui, il faut que je vous parle un peu des conséquences des bonnes actions. Hein? Beaucoup de gens pensent que les bonnes actions, ça donne des hasanettes. C'est ça, les bonnes actions, ça donne des hasanettes. Tu as un compte de hasanettes, et aussi de sayyid, de péché. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les bonnes actions te donnent plein d'autres choses. Il y a des bonnes actions, Allah peut te récompenser de te faciliter de faire d'autres bonnes actions que tu ne pouvais pas. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا. Allah dit, ceux qui se guident, on les augmente de guider. Toi, tu vas faire une bonne action, et grâce à cette bonne action, Allah te permet de faire une autre bonne action que tu ne pouvais pas faire, que tu n'avais pas la force, la foi, ou tu ne connaissais pas, tu n'avais pas l'occasion de la faire. Non? Et aussi, grâce aux bonnes actions, Allah te fait éviter des péchés que tu aurais commis si tu n'avais pas fait cette bonne action-là. Comme pour Yusuf alayhi salam, كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Ainsi, nous éloignons de lui le mal et la turpitude, car il était de nos serviteurs sincères. Parce que tu as fait des efforts, le jour que tu vas faiblir et que tu es dans la tentation, que tu n'arrives plus, Allah va te sortir de là, sans ta volonté. Hein? Allah va te sortir de là pour te préserver. Mais il ne faut pas... faut pas abuser de ça, dire bon j'y vais, puis si Allah veut va me sortir, sinon je vais me laisser là-bas. Non, ça, on ne joue pas avec ça. Mais quand même, voilà, Allah t'a sauvé. Là où d'autres